Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 3 de ma séance de défi. Et aujourd'hui on est là pour un défi, je sais pas si je dois appeler ça. Tu vois appeler ça. Je t'ai dit de pas dé... En fait il est trop débordé, ça m'énerve. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la série de défis. Et aujourd'hui ce sera un défi mental. Donc on va devoir résoudre des énigmes. De base je devais le faire seule, mais je me suis dit ça sera plus intéressant si on résout les énigmes à deux, vous voyez. Bref, et du coup là j'ai choisi 15 énigmes. Ah oui, mais est-ce que j'ai besoin de te présenter? Les gens te connaissent maintenant. El Chapo Guzman. Là... Ah je peux lui demander, il s'appelle comment? Il dit El Chapo, bref. Guzman. C'est mon cousin. Donc c'est mon cousin et vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos. Donc je pense qu'il n'y a plus trop besoin de le présenter. Et donc j'ai choisi 15 énigmes. Coucou la famille. Là, ok, il va commencer à être de plus en plus chiant, mais... Non, mais là, j'ai bien mangé, je sais pas si c'est compréhensible. Non, alors, ouais. Alors, des énigmes, je t'ai pas raté aujourd'hui. Vraiment. Est-ce que je me rate d'habitude? Non. Non. Non, bref. Aujourd'hui, vraiment, c'est autre chose. Ouais, on a bien mangé, c'est vrai. Donc, bref, du coup, j'ai choisi 15 énigmes. C'est censé être des énigmes pour les enfants. Mais j'ai lu la toute première et franchement, le niveau est quand même... Manga? Non, non, j'ai lu la première, pas la première réponse. Ah. Juste la phrase pour voir le niveau à peu près, mais franchement j'ai trouvé que c'était quand même chaud. Donc bref, première, on en a 15, donc faut qu'on aille vite. Non, 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 s'il te plaît, envoie ton truc, après je prends ton tel. Ok, alors première énigme, faut que je fasse attention à pas lire la réponse. Première énigme, on peut me trouver au fond d'un bateau de pêche ou au milieu d'un court de tennis. Répète. On peut me trouver au fond d'un bateau de pêche. Bateau de pêche. Oui, ou au milieu d'un court de tennis. Une raquette. Bah, qu'il y a la raquette. Mais c'est quoi la raquette dans un bateau de pêche? C'est l'arc, c'est l'arc. Attends. Pas du tout. T'as dit ça avec tellement. Avec tellement de confiance. Mais non, c'est le filet. Ah. Mais c'était. En fait, déjà. Eh non, en vrai, c'était trop. Non, ok, on a parlé. J'ai pas réfléchi. Échauffement là encore. Ok, échauffement, bref. Disons que c'était. La plupart des gens parlent pas Wolof, c'est-à-dire je vais devoir faire des traductions à chaque fois. Punaise, j'ai pas fait exprès. C'est pour pas perdre la langue, tu vois. Ouais, ouais, on va se rattraper. Deuxième. Ouh, j'ai failli voir la réponse. Je ne peux pas marcher, j'ai pourtant un dos et quatre pieds. Qui suis-je? Serpent. Il a pas quatre pieds, le serpent. Ah oui, c'est vrai. Il s'agirait de réfléchir avant de... Là, il n'y a pas de chronomètre. C'est le goût qui me monte à la tête, Barkiala. Je n'ai pas de dos. Attends. Je ne peux pas marcher. J'ai pourtant un dos et quatre pieds. J'ai pourtant un dos. J'allais dire la tortue, mais n'importe quoi, elle marche. J'ai quatre dos. Attends. Quatre dos. Mais en fait, moi, genre, les trucs pas logiques. En fait, moi, genre, j'arrive avec les trucs logiques, tu vois. Mais les trucs pas logiques comme ça, en mode où faut réfléchir, les subtilités, j'arrive pas. J'ai un dos. 4 pieds, mais je ne peux pas marcher. Déjà, faut qu'on pense à un animal qui peut pas marcher. J'ai un nourrisson. Aïe. Voilà, c'est un nourrisson. Un bébé, t'es mort sans froid. Un bébé. Voilà, c'est ça. Une chaise. Attendez, les gars, pardon. Je fais une pause. Déjà, faites-le avec nous et dites-nous vous avez combien de points. Mais là, c'est pas logique. Parce que quand il dit j'ai un dos, 4 pieds, moi je pense, genre, je pense à un animal, je pense à un truc vivant. Pourquoi les chaises elles parlent même? Et il pense à une chaise. Genre, c'est logique qu'une chaise ça marche pas. Donc pourquoi il nous fait réfléchir en fait? Non, et ok, bon, je peux pas accepter d'être nul. Ok. Non, je sais que je suis pas con, le monde. Non, mais on n'est pas con, c'est juste que. Bon, toi, je sais pas, mais moi, je sais que oui. Tu vas gâter mon afro. Bref. Ok, troisième. Faut qu'on se concentre là parce que là on va passer pour des gens pas très futés. J'en ai pas l'air. Combien de gouttes peut-on mettre dans un verre vide? Là je crois, écoute-moi, là je crois qu'il faut être intelligent. Parce qu'ils croient qu'ils veulent nous faire réfléchir d'ouf. Alors je suis sûre c'est un verre vide. Combien de gouttes on peut mettre? Ben zéro. Mais je sais que la réponse c'est zéro. Parce que dans tous les cas, genre, ils veulent nous faire réfléchir, alors je suis sûre que c'est zéro. Ah, mais. Non, je suis terre à terre, bon. Zéro. Oh non. Attends, moi je réfléchis un peu. C'est peut-être la réponse, hein. Mais si c'est la réponse, c'est con. Ah, moi dans le courant, franchement, moi. Non, non, mais réfléchis. On a un verre vide. Ils te disent combien de gouttes tu peux mettre et la réponse est zéro. C'est bête ou c'est pas bête? Mais tu en mets 5, le verre soit plein ou tu en mets zéro? Ah, gerbé. Moi, franchement, je sais pas, dalle.
Tu vois, je sais que c'était un truc con. Ah non, là c'est pas con, là c'est nous qui sommes cons. Ah non, là c'est nous qui sommes cons. Écoute, écoute, la réponse est vraiment pas conne. Une seule, parce qu'après le verre n'est plus vide. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Non, en fait, je pense qu'on est trop pressé. On est trop pressé de répondre. Faut vraiment qu'on se pose et qu'on réfléchisse. Faut qu'on réfléchisse. On réfléchit en équipe ou pas? Ouais. Mais sois pas un handicap. Hein. Qu'est-ce qu'il est lourd. Alors, ok, là on réfléchit. Faut qu'on trouve au moins un. Genre, on est pas con, frère. Ok, trois poissons sont dans un seau. L'un d'entre eux meurt. Combien en reste-t-il? Là, ça sera pas le truc logique de il en reste deux. Faut qu'on réfléchisse. Il y a trois poissons dans un seau. L'un d'entre eux meurt. Combien en reste-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? T'as la réponse. Voilà, mais c'est con. Qu'est-ce que tu veux que je dise, frère? À part deux. Voilà, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Attends. Non, mais parce que je me dis, s'ils sont dans un seau, genre, techniquement, genre, pour moi, ils sont tous morts. Là, et combien il en reste-t-il? Il en reste trois. Dans le seau, trois. Oui, yes, oui, yes, oui, yes, oui. Yes. Maman. Ouais. T'es perspicace. Ah ouais, t'es perspicace. Ah, de rien plus. Ok, d'accord, j'avoue. J'ai toujours dit, c'est moi le plus intelligent de la famille. C'est moi. On va commencer à pas trop déborder, hein. Ok. Oui. Combien de temps peut vivre une souris? C'est parce qu'elle meurt. Parce que quand tu vas vivre, je crois que tu seras morte. C'est pas, non, franchement, si c'est ça, c'est je te donne tout ce que tu veux, c'est pas ça. Oui. Combien de temps peut vivre une souris? On va pas se mentir, mais combien de temps peut vivre une souris? Combien de temps peut vivre une souris? Combien de temps peut vivre une souris? Combien de temps? Plus d'un jour. C'est mon dernier mot. T'as dit ça en mode t'as lâché un truc d'ouf. Ça dépend du chat. Ah non, mais là c'est quoi? Ça dépend aussi du chat. T'as regardé la réponse. La tête d'homme. T'as regardé la réponse. La tête d'homme, je vais pas regarder. T'as regardé la réponse. La tête d'homme, je vais pas regarder. La tête d'homme. Voilà, je vais regarder. C'est ça? La réponse, c'est ça dépend du chat, oui. Ah, Superman. C'est pas possible que t'aies dit ça comme ça. T'as regardé. La tête d'homme, je connais pas les trucs. Tu vois, ça, c'est le genre de truc pour m'énerver. Je suis Sophie, mais je ne suis pas Sophie. Qui suis-je? Son reflet dans un miroir. Ouais. Tu vois, ça peut être plein de réponses connes comme ça. Son homonyme, ça peut être ton reflet dans un miroir, techniquement. Ah, un. Pourquoi? Sa jumelle. Mais sa jumelle, ça fait pas Sophie? Non, mais elle se ressemble. Elle a dit je suis Sophie, mais je ne suis pas. Ouais, ok, ouais, aussi sa jumelle. On ou regarde la réponse ou pas? Ou sa mère? Non. Ou sa cousine, tu sais? Non, sœur jumelle. Sœur jumelle, ouais, ça j'y ai pensé, ça je suis d'accord, mais pas autre chose. Ah non, 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 ah non, 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 ah non, pas ça, ah non. Son chien. Techniquement, c'est vrai qu'il la suit. Mais or. Je suis Sophie. Ah, je suis. Toi, tu sais pas prononcer. Tu dis je suis. Oh, arrête. 7. Je ne fais pas de bruit quand je me réveille, mais je réveille tout le monde. C'est encore un truc con, quoi. Ouais, je sais. Je ne fais pas de bruit quand je me réveille. Je ne fais pas de bruit quand je me réveille. Le soleil? Peut-être. Mais attends, réfléchissons encore un peu. Parce que le soleil il fait pas de bruit quand il se réveille. Poussons la réflexion. Mais il réveille. J'avais pensé au coq, mais ça sert à quoi le. Ces couillons là, ils sont beaucoup dans les assiettes. Quoi d'autre? Les. Ton réveil? J'avais pensé à ça, mais il se réveille. Enfin. Moi, ton réveil, franchement, il me dérange. Ouais. Tu l'entends pas. C'est pas une séance pour régler les comptes. On a dit je fais pas de bruit quand je me réveille. Le bruit, le réveil il se réveille pas. J'ai pensé à ça aussi, mais le réveil il se réveille pas. Et merci. Et merci le soleil. Et merci. T'as pas une grosse tête pour rien toi. T'as pas une grosse tête pour rien. Ah bah oui, là ça va, on en a trouvé. Déjà toi t'en avais trouvé un ou deux. Deux. On a trouvé deux. J'en ai trouvé un. Oh. Et c'était tout. Mm-hmm. C'est déjà bien. On est à 7, donc on a 3 sur 7. C'est parce que là on prend le temps de réfléchir. Au début on était trop pressé. Alors là c'est un peu long, on va devoir se concentrer. Pierre et Marie sont deux enfants d'une famille nombreuse.
Pierre. Ah ok, bon là, ce sera une question un peu mathématique. Là on peut pas rater. On peut pas rater. Pierre et Marie sont deux enfants d'une famille nombreuse. Oui, ils sont deux enfants, mais il y a plein d'autres enfants. Pierre a deux fois plus de sœurs que de frères. Putain, faut que j'écrive. Il me faut une... Mais moi, c'est ce que j'allais dire. Il me faut une paire, un stylo. Faut mettre des X là. Oh, là. Vas-y. Oh, mais guys, sinon, là, comment t'as offert? Putain, les nids, hop, 2, 3, tire 3, nagle, nordala, voilà. Yeah. Alors. Si on se trompe là, vie de ma mère, tu reprends toutes tes études, toi. Il doit être en prépa aussi, hein. Merci. Alors. Pierre et Marie sont... On va vraiment prendre une feuille. Moi, et tu sais, très blague à part, tu sais que je le prends très très mal quand il y a des questions genre de maths, des trucs de logique, mais de vraie logique, tu vois. Tout à l'heure, c'est des logiques de con, les trucs de soleil. Les vraies questions de logique, genre mathématiques, quand je rate, je le prends mal. Voilà. Genre, c'est mon ego qui est touché. Ah là, ça fait mal, hein. Ok. De fois, on va voir X, Y, définis. J'ai vu la réponse, Non, ne me dis pas, ne me dis pas, ne me dis pas. Mais je veux savoir si j'aurais quand même trouvé la question parce qu'il y a un calcul à faire. J'ai vu. Okay. En 3D, j'ai pas vu. Ok. Non, de toute façon, je veux voir si mon raisonnement est logique parce que ça change pas. Ok, Pierre et Marie sont deux enfants. Pierre a deux fois plus de sœurs que de frères. Marie a autant de frères que de sœurs. Combien d'enfants sont-ils? Alors là, ça, c'est un vrai truc de bâtard. Attends, mais le rapport, monsieur. One hour later. Il y a deux fois plus de frères. Il y a deux fois plus de sœurs que... One eternity later. C'est le nombre... Ça aurait été le nombre total de... One hour later. Plus Marie et truc. Ah, mais c'est bizarre quand même, hein. One eternity later. Mais le 2, ça marche pas? Non, parce que ça fait 4, lui. Et quand tu rajoutes Pierre? Quand tu rajoutes Pierre, ça fait quoi? On a mal calculé, tu sais pourquoi? Parce que quand ça fait 2 frères, ça veut dire qu'il a 4 sœurs. Ici, oui. Marie, elle est dedans. Marie, elle est dedans. Moi, ici, bien, lui. On a pas calculé ça! Moi, j'ai trouvé cette, hein. Non, parce que on a pas réfléchi comme ça avec le calcul, donc faut pas qu'on se donne des excuses. Bah, comment ça avec le calcul? Moi, je t'ai dit, parce que c'est obligé que si là, c'est lui. Oui, mais ça, on devait le savoir. Avant-hier, Catherine avait 17 ans. Avant-hier? Oui. Il y a 2 jours en arrière. L'année prochaine, elle aura 20 ans. Comment est-ce possible? Bah, je sais pas, l'année bissextile là, non? Ouais, attends. Si elle est née le 28 février, ouais, si elle est née comme ça, ça peut être que ça. Attends, parce que c'est quoi? Ça saute de combien? Ça saute de 3 ans? C'est 19 ans. C'est pas 4 ans, c'est pas tous les 4 ans. Tous les 5 ans ou 4 ans, je sais plus. Je crois que c'est plutôt tous les 4 ans l'année bissextile. T'as peut-être qu'elle est bissextile. Vas-y, fais un combat de 4. Bon, vas-y, ça m'a saoulé, je regarde. Hier, on était le 31 décembre, elle a eu 18 ans. Cette année, elle va avoir 19 ans et l'année prochaine, 20 ans. Là, les nerfs commencent à monter, je vais même pas le cacher. Allez. Quand je suis frais, je suis chaud. Qui suis-je? Ouais, non, il commence à jouer avec mes nerfs là. Là, c'est même plus drôle. Là, c'est énervant. Le truc de Marie, deux fois les frères, je sais pas quoi. Je l'ai là. Ici, à qui? La vie, c'est Abdoul. Ouais, je savais, c'est tellement prévisible. Quand je suis frais, je suis chaud. Ça, je suis sûre que là par contre c'est un truc un peu comme le soleil, genre qu'on peut trouver. Une étoile. Quoi? Heureusement qu'on n'a pas cherché plus loin, le pain, franchement. C'est des quoi ça? Le pain frais, genre ça vient de sortir du four. Non, ça c'est des bêtises, d'accord. Ça c'est des conneries, quoi. Non. Ok, bon, vas-y, il en reste 5, j'en peux plus. Enfermée à 17 vaches, elle meurt toutes sauf 9. Quoi? Un fermier, il a 17 vaches, elle meurt toutes sauf 9. Combien en reste-t-il? Là aussi, c'est pas un truc logique. Techniquement, il reste 9, mais. Est-ce qu'il va pas encore dire un truc de con? Genre, il reste 17, comme parce que. Sauf toi, non, mais. Enfermée à 17 vaches, elle meurt toutes sauf 9.
Elle meurt toutes sauf 9, ça veut dire que les autres sont mortes et il reste les 9 vivantes. Et ils demandent combien il reste. Ah, j'ai pas compris ça. Donc bon, je vois pas pourquoi ils vont nous demander combien il reste et ils nous disent il reste 9, mais bon. Ils sont capables de dire ça, genre. Ils sont capables de le dire quand même. En fait, il y a peut-être une vache qui est dans le ventre de la mer qui est pas encore née, ouais, ok. Combien en reste-t-il? De base, c'est un truc drôle pour s'amuser, mais là, c'est en train de me mettre les nerfs. Et non, et là, il en reste 2, allez, on se concentre. Insulte. Non. Un fermier a 17 vaches, elles meurent toutes sauf 9. Combien en reste-t-il? Si elles sont toutes mortes, sauf 9 qui sont pas mortes. Il reste 9 normalement, mais j'ai même pas envie de regarder la réponse parce qu'ils vont m'inventer un truc. Non, en fait, la fermière avait caché une vache dans la grange. Non, en gros. Là, il va dire vous êtes con. Mais vous êtes con, dis donc. La réponse est bain 9. Ils ont mis le bain. Bain 9. Ouais, toi, t'es con, quoi. Voilà. On s'est calme. Il en reste 2. On va finir quand même dans la joie et la bonne humeur. Parce que. Elle aime pas trop être prise pour une conne. Qu'est-ce qui est plus grand que la tour Eiffel? Plus grand que la tour Eiffel, mais infiniment moins lourd. Bon, je serai fort. Ah non. Les nuages. Attends, tu peux ils répéter? Sont pas grands les nuages. Qu'est-ce qui est plus grand que la tour Eiffel mais infiniment moins lourd? Quel nuage? Mais je sais pas. Qu'est-ce qui est plus grand que la tour Eiffel? Son ombre. La 15e. Enfin, je porte des lunettes. Celle-là, on essaye de trouver. Je porte des lunettes mais je n'y vois rien. Qui suis-je? Un aveugle. Ah, franchement, un aveugle, il porte des lunettes? Bah non, pas forcément. Mais si, parce que tu vois, les lunettes noires, là, pour protéger leurs yeux. Ils portent souvent des lunettes, les aveugles. Mais viens, on réfléchit à une autre réponse au cas où. Les gens qui portent des lunettes, là, les... Boum. Non, que ce soit les myopes, astigmates, tout ça, là, ils portent des lunettes, mais ils n'y voient rien. Une fille dans ma classe, elle voit rien. Genre, sans leurs lunettes, ils n'y voient rien. Ouais, moi, j'aurais dit soit un aveugle, soit genre les gens myopes, tout ce qui est les gens qui ont des problèmes de vue myopes, astigmates, bref, tout ça là. Je regarde. Attends. Le nez. Ok, bon. Là je suis énervée. Bref, du coup c'est la fin de ce... troisième challenge, vraiment. T'en as pensé quoi? Ah, c'était n'importe quoi, tu es trop nul. Je répète ma question pour te donner une autre chance de répondre correctement. Tu en as pensé quoi? Bah, j'ai pensé que bon, malgré les affaires et les tentatives désespérées, nous avons essayé de faire notre mieux. Mais cela n'a pas abouti, on n'a pas gagné grand chose, mais c'est le meilleur, c'est de participer. Non, ne dis pas l'important c'est de participer. Ah non, on est pas dans ça. L'important c'est de participer, on a fait une équipe, on a vu que ça ne marchait pas. Bon, on n'est pas fait pour travailler ensemble. Ben, j'ai vu depuis qu'on est petit, on vraiment ça va ensemble. Et je pense que voilà, tout était fait pour perdre, donc je pense que c'est le jeu qui n'était pas bien fait. Exact, ouais, voilà, moi je suis totalement sur cette explication, c'est le jeu qui était mal fait. Genre en vrai, voilà, genre moi je m'attendais à des trucs un peu plus logiques. Parfois genre, bon, écoutez, on va pas faire les rageux, on a perdu, c'est pas grave, ça... C'est à cause d'elle que j'ai perdu, hein. Ça arrive, en tout cas on a quand même trouvé des trucs. Donc bon, voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura fait rire. Ou au moins que ça vous aura passé le temps. Dites en commentaire votre truc là, parce qu'il y en a, ils sont très trouvés, moi j'ai trouvé. Faites en même temps, ne mentez pas et dites votre réponse. Donc voilà, on se retrouve sûrement demain encore pour une nouvelle vidéo. Et voilà, bisous. Je peux sortir demain? Oui, tu peux.